الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شيخ رجسير نور مرسيون على سبحانه وتعالى كي نوزا كريي إلى فدي نو لشيرشير du savoir islamique. Ça, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est là aujourd'hui pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la zakat et quel rôle que la fondation zakat et des œuvres de bienfaisance en Côte d'Ivoire joue dans ce sens-là. La zakat, comme vous le savez, c'est le troisième pilier de l'islam. Et lorsqu'on parle du troisième pilier, c'est que la zakat est avant le jeûne. On a d'abord l'attestation, suivi de la prière, suivi de la zakat. Et après le jeûne et le pèlerinage. Mais nous constatons dans notre pays, la Côte d'Ivoire, que les musulmans, on a pu organiser la prière dans nos mosquées. On a même organisé les lieux de prière. Et on a sauté la zakat. On a allé organiser le jeûne ainsi que le hajj. Mais pourquoi pas la zakat comme cela existe dans les autres pays islamiques? C'est pour cela, il y a quelques années, les associations islamiques en Côte d'Ivoire, on pensait à ça. Donc, il a été mis en place une fondation qui s'occupe de la zakat. Depuis le 17 Shaaban 1431, correspondant au 31 juillet 2010, la fondation zakat a été créée en Côte d'Ivoire. Les objectifs de la création de cette fondation, c'est d'aider les musulmans, surtout ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a donné les moyens pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec le peu que Allah leur a donné. Et encore organiser la zakat en Côte d'Ivoire. Parce que la zakat, c'est l'un des volets sociaux de l'islam qui aide beaucoup à régler beaucoup de cas en Côte d'Ivoire si elle est organisée comme l'islam a demandé. Aussi aider ceux qui vont s'acquitter de leur zakat, leur aider à donner une bonne destination de leur zakat comme qu'il a été prescrit en islam. Il faut que les bourgeois sachent si Allah a donné les moyens, il faut qu'ils sachent que la zakat, c'est pas obligatoire, mais c'est un pilier de l'islam. Dans la jurisprudence islamique, il y a une différence entre le pilier et l'obligation. Quand on dit quelque chose est obligatoire, c'est que si on ne le fait pas, on a une erreur, mais c'est une erreur qu'on peut réparer. Mais lorsqu'on parle de plier, ça veut dire que quand un acte est plié d'une chose, c'est que si le pli est absent, c'est l'action même qui est absente. Ça veut dire quoi? Celui qui a les moyens, qui ne fait pas la zakat, son islamité est douteuse. Que Allah nous préserve. C'est pour cela que les compagnons du prophète, alayhi salam, par unanimité, comme l'imam Bukhari l'a cité dans son livre, par l'unanimité, ils ont combattu ceux qui ont arrêté de donner la zakat à Abakar Siddiq radiallahu anhu. Donc nous lançons un appel aux Ivoiriens. Il faut qu'ils sachent que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la zakat
les cinq piliers de l'islam, Dieu, par sa sagesse, il a varié ces piliers-là. Il y a des piliers que nous tous, nous sommes concernés. C'est les trois piliers, l'attestation, l'accomplissement de la prière et le jeûne. Les pauvres, les riches, nous sommes tous concernés. Mais les deux autres, c'est des piliers qui sont spéciaux. Ou ceux que Allah SWT a donné les moyens. C'est-à-dire la zakat ainsi que le hajj. Et aussi, si on regarde encore les cinq piliers, nous allons voir que Allah SWT a varié cela. Il y a des piliers qui sont liés aux organes. C'est-à-dire c'est des piliers qu'on fait ça physiquement. Il y a des piliers aussi qui sont liés au matériel. C'est avec le bien qu'on fait. Il y a des piliers aussi qui rassemblent les deux. L'attestation, c'est un acte physique, mais ça vient du cœur. La prière, c'est un acte physique. Le jeûne, c'est un acte physique. Mais la zakat, ça c'est un acte financier. Le hajj, ça rassemble les deux. Donc Dieu a varié ça. Pourquoi ? Il y a des gens, s'il s'agit de physique, il est prêt. Mais s'il s'agit de la poche, il n'est pas prêt. Donc Allah a varié cela pour qu'on se soumette à lui sur toutes les dimensions. Donc la zakat est obligatoire. C'est un pilier de l'islam. Nous sommes obligés de nous acquitter de notre zakat si les conditions sont remplies. Et ces conditions, c'est d'abord être musulman. Et la deuxième condition, avoir les moyens, le minimum imposable qu'on va citer, Inch'Allah, et l'écoulement de l'année. Voici les principes de la zakat, c'est-à-dire les conditions de la zakat. Vous allez remarquer quelque chose, la prière, le hajj, le jeûne, il faut être mukallaf. Mukallaf veut dire quoi? Lorsqu'on dit mukallaf, c'est deux conditions qui sont remplies. C'est-à-dire être majeur, avoir aussi la raison. Mais la zakat, ce n'est pas le cas. Parce que la zakat, ce n'est pas lié à l'individu même qui fait la zakat. Mais c'est lié au bien. Donc lorsqu'on a un bien, le propriétaire de bien, qu'il soit majeur ou petit, il doit s'acquitter de la zakat. Parce que c'est le bien que les pauvres regardent. Et la zakat est là pour purifier le bien, purifier aussi l'acteur qui donne la zakat, purifier aussi la société. Donc la purification de la zakat a trois dimensions, comme Dieu l'a dit dans les cinq Corans. Khud min amwalihim sadaqa, tutahhirhum biha wa tuzakkihim wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Il dit au prophète, récupère. Il faut prendre à partir de leur bien un sacrifice, un montant. Si tu prends ce montant dans leur bien, ça va être la cause de leur purification. Donc lorsqu'on s'acquitte de la zakat, on est purifié en trois dimensions. Le bien même est purifié. Ça devient un bien saint, un bien propre vis-à-vis de l'islam. Donc c'est la zakat qui permet à purifier les biens. La zakat aussi purifie la personne contre l'avarice. L'avarice, c'est une maladie. Comme Dieu le dit, wa amman bakhila. L'avarice, c'est un mauvais comportement. Donc c'est la zakat qui aide le croyant à se débarrasser de ce comportement. Et aussi, ça va purifier la société. Vous constatez, quand le riche est dans un quartier, ses voisins sont pauvres. Il ne regarde pas ses voisins. Il ne leur donne rien. Quel sera leur sentiment vis-à-vis de leur voisin qui est riche? Ils ne vont pas aimer son affaire, comme ça s'est dit. Ils vont lui souhaiter le mal chaque fois.
Donc la haine va s'instaurer dans leur cœur contre le riche qui ne donne rien à ces pauvres-là. Mais lorsque le riche donne un peu à ses pauvres, il regarde ses pauvres, il s'occupe d'eux, son bien va devenir comme leur bien. C'est pour cela que Dieu dit dans le Saint-Coran, voilà tout soufaha à moi la koum, votre bien. Parce que le bien des musulmans, c'est le bien de tous les musulmans. Puisque les pauvres ont leur part dans le bien que le musulman a. C'est pour cela que les riches doivent savoir, en s'acquittant de la zakat, ce n'est pas du bien que tu fais à ce pauvre-là. Mais c'est un droit. Dieu dit, lorsqu'il a qualifié les croyants, والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. C'est, il y a une part bien définie dans leurs biens pour les pauvres, pour les nécessités, les mendiants ainsi que ceux qui ne mendiant pas. Donc c'est une part, c'est un droit des pauvres dans notre bien. Donc lorsque tu vas consommer la part des autres, tu seras exposé au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, Dieu nous a parlé de cela, et le prophète alayhi salam nous a parlé de cela. Le châtiment est très terrible. Dieu dit dans la sourate le repentir, à Tawba, Allezina yaknidhuna al-dhahba wal-fidda wala yunfiquna fi sabilillah fabashirhum bi'adabin alim يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Il dit, ceux qui gardent, ils mettent en trésor leur bien. Dieu a cité ici l'or et l'argent blanc. C'est un exemple. Ils ne dépensent pas cela dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne s'acquittent pas de leur zakat. Oh Mohamed, il faut leur annoncer la bonne nouvelle d'un châtiment douloureux. Ce jour-là, Dieu va transformer leur bien en fer avec lequel on prend pour repasser les habits. Et Dieu va repasser leur corps, la poitrine, le dos, ainsi que les autres parties. Et le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, Ma min sahibi mal la yu'addi zakata illa muthila lahu yawm al-qiyama shuya'an aqra. Tout propriétaire de bien, quel que soit le genre du bien, qui ne t'acquitte pas de sa zakat, Dieu va transformer son bien à un serpent. Il est dit dans le Bukhari que ce serpent, shuya'an aqra, il n'a pas de cheveux sur sa tête. Pourquoi? Parce que as-sumu alladhi fi dakhilihi min shiddati hadha as-sum adhaba ash-sha'ra alladhi fi ra'sihi. Donc le châtiment est très très terrible. C'est pour cela que nous invitons les uns et les autres de s'acquitter de leur zakat. Mais souvent on a un problème ici en Côte d'Ivoire. Il y a des croyants qui ont les moyens. Ils accomplissent la prière, le jeûne, le hajj. Mais pourquoi pas la zakat? Souvent, c'est par ignorance. Je dis bien ignorance parce que ce n'est pas parce qu'ils ignorent qu'il existe un pilier de l'islam qu'on appelle zakat, mais ils ignorent aussi la manière de s'acquitter de la zakat. Parce que l'imam qui est à côté de lui ne va jamais lui expliquer qu'est-ce que c'est que la zakat, parce que lui, comme ça se dit, « Akakel le mourba et kabe adama ». Ce riche-là est devenu uniquement pour lui. Il dit c'est son mangement. Donc c'est chaque jour, lui il rêve, il a vu tant, donc les sacrifices c'est à lui qu'on donne. Qui n'est pas normal. Si tu as un ami qui est riche, toi ton droit c'est de l'aider à s'acquitter des zakat. Souvent, il y a des riches aussi qui se disent qu'ils font la zakat, et ils prennent un montant sans faire de calcul, distribuer ça comme ça à leurs proches parents. Souvent même prendre ça pour faire des dépenses. Souvent même prendre ça pour aller acheter des choses pour venir donner aux pauvres. Non, c'est pas toi qui fais ça à sa place. Tu lui donnes, c'est à lui
de se prononcer, de dépenser son bien comme il veut. C'est pas à toi de faire cela. Donc, c'est pour aider ces personnes-là à mieux pratiquer la zakat que la fondation a été créée. Donc, nous invitons les uns et les autres pour venir donner leur zakat à la fondation. Lorsqu'on donne la zakat à la fondation, ce n'est pas la fondation qui va consommer, mais la fondation va chercher les ayants droit. Les 8 personnes qui sont citées dans la sourate Tauba, vous avez constaté depuis que la fondation est créée, le peu qu'on a pu recruter, on a redistribué ça aux ayants droit. C'était à la mosquée du Golfe. Donc, qui va rassurer les uns et les autres que la fondation n'est pas là pour s'enrichir de leurs biens, mais elle est là pour les aider. Donc les associations islamiques qui ont mis la fondation en place, c'est les mêmes associations-là qui dirigent les mosquées. C'est les mêmes associations-là qui ont réfléchi sur les hajj. Donc, de la manière dont ils ont aidé, ils aident les musulmans à adorer Allah dans les mosquées, à jeûner pendant les mois de carême, à effectuer les hajj. C'est de la même manière que ces associations veulent aider les musulmans à s'acquitter de leur zakat. Donc la zakat, elle est obligatoire. Lorsqu'on dit que la zakat est obligatoire, l'islam a précisé des biens dans lesquels que la zakat est obligatoire. Ce qu'on appelle l'assiette de la zakat. Nous avons l'or et l'argent blanc qui remplaçaient la monnaie à l'époque. Mais aujourd'hui, la monnaie va s'ajouter à l'or et à l'argent blanc. Donc on a le CFA, on a l'euro, on a le dollar, n'importe quelle monnaie. Ces monnaies-là sont à la place de l'or et l'argent blanc. Mais qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, comme on a ces monnaies-là, il n'y a plus de zakat dans l'or et dans l'argent blanc. Non. L'or et l'argent blanc demeurent un bien de la zakat. Mais les monnaies vont venir s'ajouter. Donc, de la manière dont on s'acquitte de la zakat, de nos monnaies, que ce soit CFA ou euro, de la même manière qu'on donne la zakat lorsqu'on a l'or ou bien on a l'argent blanc. Voici un bien dans lequel la zakat est obligatoire. Il y a aussi la richesse forestière, ce qu'on appelle al-kharij min al-ard, tout ce qui pousse de la terre. Nous, dans la fondation, nous avons adopté l'avis de l'imam Abu Hanifa. Comme Dieu l'a dit dans le Saint-Coran, « Ya yualazina amanu anfiku » min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ma'am. Ô vous qui avez cru, dépensez dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous avons poussé pour vous de la terre. Donc tout ce qui pousse de la terre est un élément de zakat, est un bien de la zakat. Il y a aussi les animaux, les chameaux, les bovins, les ovins. Tout cela, c'est des biens dans lesquels que Allah a prescrit la zakat. Il y a aussi un autre bien qu'on appelle urud tijara, les marchandises. Le commerçant a ses marchandises, il doit s'acquitter de ses zakat. On a aussi les mines qu'on appelle al-ma'adin, au kazalik al-rikaz, font partie aussi des biens dans lesquels la zakat est obligatoire. Mais lorsque on précise ces biens-là, il y a un montant que l'islam a imposé. Lorsque le bien atteint ce montant, la zakat devient obligatoire. Donc ce montant-là varie selon le bien. Donc on a le bien qui est courant, c'est la monnaie. En Côte d'Ivoire, c'est le CFA. Pour connaître le minimum imposable de la zakat du CFA, on a deux choses
dans ce qu'on appelle an-nisab. An-nisab fi shar' huwa al-qadr alladhi haddadahu ash-shar' li wujubi zakat fi al-mal. C'est-à-dire le montant que l'islam a décrété pour la zakat. On a d'abord le montant qui est le minimum imposable. Lorsqu'on a ce montant et que l'année coule, combien on doit donner à partir de ce montant? Donc il y a deux choses. Le montant, pour calculer le montant en CFA, il faut se référer à l'or ou bien à l'argent blanc. Donc le minimum imposable de l'or, c'est Eshrouna Mithkal, 20 Mithkal. Lorsqu'on dit Mithkal, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, 20 Mithkal est égal à 85 grammes de l'or. Ça, c'est l'or. L'argent blanc, 200 dirhams. Miata dirham. Ce qui est 595 grammes. Il s'agit de l'argent blanc. Donc, pour connaître maintenant le minimum imposable de CFA, d'euros, de dollars, il faut se référer à l'argent blanc ou bien se référer à l'or. Donc, nous avons le choix. C'est pour ça qu'à la Fondation, il y a le volet des oulémas. Nous avons étudié cela en Côte d'Ivoire, demandé les différents prix de l'or, de l'argent blanc, et on a trouvé la somme de 360 000 francs CFA comme le minimum imposable de la zakat de cette année, comme était aussi l'année dernière et l'année surpassée aussi. Donc, ce montant reste jusqu'à un nouvel ordre. Donc, tous ceux qui ont un montant de 360 000 francs CFA et que l'année coule, toutes ces personnes-là doivent s'acquitter de leur zakat. Les ulémas ont le droit de se référer à l'or, comme ils ont le droit aussi de se référer à l'argent blanc. Mais nous avons préféré de se référer à l'argent blanc pour le gain des pauvres. Vous savez que l'or, ça change, le prix change chaque moment. Et c'est trop cher. Lorsqu'on prend l'or, ça veut dire que ceux qui vont s'acquitter de leur zakat seront peu. Nous avons beaucoup de pauvres. Et les ulémas se sont prononcés là-dessus. On fait le choix selon le besoin. Le besoin qu'on a, c'est ça qui nous a amené dans la Fondation Zakat de prendre l'argent blanc. Donc on a calculé 595 multiplié par 600 francs, le gramme. Ça nous a donné la somme de 357 000 francs CFA. Et on a arrondi ça à 360 000 francs CFA. Concernant les autres biens, pour les marchandises, c'est la même chose. Puisque la marchandise, la zakat de la marchandise ne vient pas de la marchandise elle-même. Ça veut dire, celui qui vend le savon, il ne va pas dire, ah, comme l'année est finie, donc je prends quelques savons pour aller donner la zakat. Non, c'est pas comme ça. C'est la valeur des marchandises. L'équivalence de cette valeur-là en CFA, c'est ça que tu prends pour donner en zakat, comme zakat. Donc, l'argent espèce, les marchandises ont le même système. Et lorsqu'aussi on parle de l'écoulement de l'année, il faut qu'on comprenne quelque chose. On a l'impression que les musulmans en Côte d'Ivoire croient que si le mois de Karim ou bien le mois de Muharram, c'est le mois de Zakat. Et ça, c'est une fausse croyance. Ça, c'est une idée qui n'est pas fondée. Lorsque l'islam dit hawalan il hawl, la zakata fi malin hatta yahoula ali il hawl, ma'al kalam fi hadal hadith, inna ba'di ahli l'ilm. Lorsqu'on parle de l'écoulement de l'année, c'est pas l'année grégorienne ni l'année hijir. C'est l'écoulement de l'année selon le bien. Lui, il a eu son bien en janvier. Donc, janvier prochain devient l'écoulement de l'année pour lui. Moi, j'ai eu mon argent en février. Donc, moi, je vais attendre février. Lui, il a eu en mars, avril. C'est comme ça. Parce que ça aussi, ça va aider les pauvres. Si en janvier, les pauvres ont quelque chose, en février, ils ont quelque chose, en mars, ils ont quelque chose. Si on dit tout le monde n'a qu'à donner la zakat en Muharram seulement, ou bien pendant le mois de Karim seulement, les pauvres, ils vont rester
en jeûne pendant toute l'année, sans manger, c'est grave. Donc c'est pour cela qu'on insiste. Lorsque l'islam parle de l'écoulement de l'année, le fidèle, le musulman a le droit, l'islam a autorisé cela, tu peux déplacer le moment de ta zakat. Ça c'est possible, dans l'année. Exemple, les chefs d'entreprise, souvent, si l'entreprise marche, ils vont te dire, bon, toi en tant que chef, c'est en décembre qu'on va faire les calculs, donc on va te donner pour toi. Donc, dans ce cas-là, c'est en décembre que tu auras ton argent. Donc, tu peux déplacer en décembre. Mais décembre, ce n'est pas forcément que ça soit Muharram. Ce n'est pas forcément que ça soit pendant le mois de Carême. Donc, il faut que les musulmans comprennent cela. Ce qui concerne aussi les chameaux, les bovins, les ovins, il faut qu'on connaisse cela, puisqu'on a beaucoup de cadres qui ont des bœufs dans leur village. Certains ont des moutons. Donc, c'est des biens aussi à partir desquels qu'on doit s'acquitter de la zakat. Les chameaux, on va pas en parler, puisque la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans un pays désert, il n'y a pas de chameaux chez nous, mais les bovins et les ovins, c'est-à-dire le bœuf ainsi que le mouton. Vous voyez, le montant qu'on a dit là, lorsqu'on dit 360 000, combien tu dois donner comme zakat? Ça aussi, c'est un volet qu'on va insister là-dessus. Lorsqu'on a 360 000, tu dois donner 2,5%. Le bien, le montant demandé par l'islam, c'est 2,5%. Ça veut dire, celui qui a 1 million, tu vas donner 25 000 francs. Celui qui a 1 milliard, tu vas donner 25 millions. C'est pour cela, celui qui ne donne pas la zakat, il est vraiment avare. Le bien que tu as, ce n'est pas par ta sagesse, ce n'est pas par ta force que tu as ce bien-là. Il y a beaucoup de gens que toi tu connais. Tu as tes amis qui sont plus intelligents que toi, plus forts que toi, ils n'ont pas ce bien-là. Donc c'est un don que Allah t'a donné. Donc en récompense, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu puisses t'acquitter de ce droit-là. Donc Dieu te demande un petit seulement, 2,5%. Il y a une autre manière de calculer. Le bien que tu as, tu divises ça par 40. Le résultat que tu vas trouver, ça sera la même chose, 2,5%. Maintenant, on disait le mouton ainsi que les bœufs. Concernant le bœuf, la zakat commence à partir de 30. Lorsqu'on a 30 têtes de bœufs, maintenant qu'on donne la zakat. Donc celui qui a 20 têtes, 25, 29, l'islam ne demande rien. 30 têtes de bœufs, maintenant l'islam te demande de donner une seule tête dans 30. Et c'est laquelle? Celle qui a un an, qui rentre dans la dixième année, qu'on appelle Tabi'a ou Tabi'a. Jusqu'à 40, c'est la même chose. Donc lorsqu'on a 30, 31, 32, 33, jusqu'à 39, c'est toujours une tête. Mais la tête qu'on appelle Tabi'a ou Tabi'a, c'est-à-dire celui qui a un an, qui est rentré dans la deuxième année. Mais lorsqu'on a 40, c'est toujours une tête, mais l'âge varie. Maintenant, c'est Moussina, c'est-à-dire celui qui a 2 ans, qui est rentré dans 3 ans. Quant au mouton, il n'y a pas de zakat jusqu'à ce qu'on atteint 40 têtes. Dans 40 têtes, tu dois donner une seule tête. Jusqu'à 120 moutons, une seule tête. 120 moutons, on te dit de donner un seul mouton à Allah Soumata. Tu refuses. C'est à partir de 121 têtes qu'on te demande de donner deux, jusqu'à 200. 201 têtes, tu passes de 2 à 3. Il y a quelle difficulté dans ça? La richesse forestière, ce qui pousse de la terre. Nous, en Côte d'Ivoire, comme ça s'est dit, notre richesse, c'est l'agriculture. Donc c'est sur ça qu'on doit beaucoup baser. Et là aussi, l'islam nous a beaucoup favorisé. Le prophète sallam, les safi maduna khamsati awsukin sadaqa, hadith Abi Saïd al-Khudri. Il n'y a rien lorsque notre récolte n'atteint pas 5 wusk et 5 wask. Al-wask, walis al-wusk, al-mufrad. Donc 5 wask, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 wask correspondent à 653 kg. C'est-à-dire une demi-tonne plus 153 kg. C'est ça qu'on a adopté dans la fondation Zakat.
Donc 653 kg, celui qui a cela, après avoir récolté son bien forestier, il doit s'acquitter de sa zakat. Mais comment tu t'acquittes de ta zakat? Dans nos villages, on trouve les villageois, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient un sac de 100 kilos ou bien de 50 kilos, ils remplissent le sac, 10 sacs, le dixième, ils mettent ça à côté. Les 9 là, c'est pour lui. Le dixième à côté, 9 c'est pour lui. Parce que l'islam dit, fima saka de sama al-ushur. Si c'est la pluie seulement qui a arrosé ton chien, donc tu dois donner le dixième. Donc quand ils font comme ça, et au finish, s'ils ont au moins 9 sacs, ils disent, ah, ça n'a pas atteint 10. Donc les 9 ou bien les 5, les 6, les 4 sacs, ils mettent ça sur pour eux, qui n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est de rassembler tout ce que tu as eu dans ton chien et tu divises une seule fois par 10 les 9 là. Ça, c'est pour toi. Le dixième là, c'est soi si tu dois donner comme zakat. Mais lorsque c'est toi-même qui a arrosé ton chien, ce dixième là, tu vas le diviser encore en deux. La moitié, tu vas ajouter la moitié sur les 9. L'autre moitié qui va rester, c'est ça qui est la zakat. Donc vous voyez comment l'islam a beaucoup favorisé. Car beaucoup d'hommes ignorent ce pli essentiel qui va nous aider à régler beaucoup de cas sociaux dans notre pays Côte d'Ivoire. Donc la zakat, c'est un phénomène qu'on doit tous prendre en considération, qu'on doit aussi aider la fondation Zakat pour que les musulmans puissent s'acquitter de leur zakat. C'est pour cela que la fondation aussi, les oulémas ont mis en place un guide qu'on appelait Dalil Zakat, guide de la zakat en Côte d'Ivoire. Ce guide-là, Inch'Allah, sera mis en disposition des uns et des autres pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est que la zakat, comment s'acquitter de la zakat, quels sont les biens à partir desquels on doit donner la zakat. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أم بعد السلام أم بكم على فمك ولي جاي جغا Salamat Shemambe Uluba Dila Dou Fanambe Uluta Di Minuba Dila Uluta Dila Anyama Akanaka Dichoya Mina Olewe Salamau Sela Amo Fala Mukoson Nika Fle Fandanka Cha Salamau Lela Bi Fandang den, Salamau den, Baraka Berika Shaouli Labi. Allah Ta'ala donc a diable mune koson. Adante kafoko kamou la fandang la domini. Natun kelaouye, sena umar kodi. Ida ateitumun nasa farunuhum. Konika jadi mouma. Adama e ken na frotiye olokoso be nyon soso difference juma ne be fandan abe fomma ko fakir ani abe fomma ko miskin difference juma ne bou flache ko dobe tre kren dominito bro dobe sangren domini ba le bro mais amese ka adama mu koso sangren domini be mo mbro mais nala ko ko ka adama mune koso pour que a ka fe soro abe se ka yere la tan ni mi abe sa chema ke abe mi domna ama ku yate se mo uma me ni ti ajata be ka lo million kele o jae wa loru iki ya wa loru ta kana no e misri la ka ke me fla fla di mo be mo obo o ta kamre de o iba di o ma ima ka di kamre ma fa be mi na me iba di Mimba to abe baraketu mina.
Il est remédia dit là où il est Srama. Il est déjà trambayo. Et bah dibale, kana di yorola, ole fondation Zakat wal Waqf. Chiba kawati la sallallahu alayhi wa sallam, fondation tole tumeko beytul mal. Wari abo. Atume mou blakata jam la mou fe, jati utuntu ya jatra nou. Bet mena ata di chibale mo. Sallallahu alayhi wa sallam, to abatra. Aba transisa ka bemo ka besoin ma ou makoyama. Mi makoya ben million kele, abese ka di ou ma. Pour que sa vore, ou makoya kena ke million kele la bire. Obe jadi. Et nanga fo jadi ba mancha. Mais nango beta franyon ka don 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 doni. Na froti million ben mombro Côte d'Ivoire kono no kala montagne. No beka wa loloru di wa loloru si romanta a nangota kata chokroba dobe ya deni fambala me a deni ka mikanshen le kara donc antala feusa materielu sa ka dia denjema ye baraka nini ona fama bo wolo koso Ja tarambabu kono ubafole ko idha kana alfaqir sahibu minha mihna donc amaye adawatu bara udiama ko ni fanda kala ko barakala lu tayerelu mikanishenu donc ibaka barakem la unsa kadama donc utumala salamou ama nyinina fa ayjaubo ayjaubo ma nakasa malun min sadaqa ja bolite ikan nafru nasi wallahi min ba kan nafru nasi ole abeta nu ye yoro minu la we kata chanchan atena brajite na sebaiku me be braji solo mina ole ibadi alama wallahi al hadith fi tabarani fil awsat aqudi Chibaku sallallahu alayhi wa sallam ma talafa malun fi barri wala fi bahri illa bi habsi zakat ko wari moka nafuro macha moka societe mabbe srama make borokonye srama ya mabri macha aya societe mabbe aya bato macha jika fo abanat mamina ka alau talaka hachedi ka jadi mouma ole banga anfaya bi Côte d'Ivoire srama out me warti le juna me bi srama warti machade societe chamant me srama ou le bro me bi srama societe ti machabre basse muna ou banaka jabo basse chamo me mune fo karuna ka mi fo inama utituhu ala ilmi kolu ko soro o ka barale ke kramoje ka fo sisan ifa ma di mo Allah taala ma ina illa li ka di mo donc on même mi fo la salamou nyana ijija ye jabo hadisa wore dobe chiwa ko sallallahu alayhi wa sallam hasinu amwalakum bizakat hasinu amwalakum bizakat nika fo kubini ya wer gade fu ki ya wari gade ka latan jabo ala Allah taala yere le bena gade 600 Allah yere taala le bini janto ala 600 mais le ki baja di koma non mena tanga wari gade fenga la bangila we nu denja ka koma le we ko sa awi la jabali ko ni koji ni ji ka yoro bem la ko mena borikata kuru san fe onye one we yo Allah taala ko non nebena halakilike même ni bour lakata fe sangoro la abisroy donc wa bo chuwali la jara ole biya da frochaya jara ole bi le regade parce que fanda minou bi crefe olu be do okiye olu be do okiye ya na fro be chaya donc osramou ame minyini na fe aw yera kana fo ko aw yera bina jatra
anga mina kola sislama ola ko divoire kona ole oye kona de kasiosio kasiosio obo na fro bo mine obo ja bo mine obo bo ala miskina o ka ja kono eh ni mako ya milao ou bien a doche dobe doka foyenate a kone fache salaka ya petit frère d'otomuro est-ce que ndese ka ya ja di o ma eh che on voit la nafa du man ba le la momin koroche le DG hein et bon ta bon fanda on kan ni et bon le ta koku bo di doche ma et doche ben nafa ko la donc il dit jija wa atu zal qurba haqqa hacha minu den ben nafro la oni ja obedanale idoche ta hake oni fanda on ka hache te kilinyu ah jone sona fonctionnaire du mane sona ka foko gouvernement ben un beau min talankou ah mfache ah baba ndina wari di ma karol na de parce que gouvernement ka important kou mo bo kewa eh ansite gouvernement ta un beau jate lao comme ala on tala ta un beau amma maswa bla i kaminga ole koso ole oui eh moni ala te kere ke nyoma inde salamou akana kreti alama fande yam menye ala utala ka kreke din doli oluyo deuka fa bunyam me ute fa u bunye tuni ala utala ka kreke din doli oyo ole koso ijija jabo ala be baraka do ikana frola mena ya koma la lo yoromina mon maître mon mejabo ayana frola animi te jadi Allah taala be baraka do fla taala chomina aya flanie jadila abena ke bo baraka rola abe fanya na ku de mangene Allah taala bena aya jan adla fakemie aba fanya na aba foku bon aya ta fla do san kadama we aya ta fla ni sa pharmacie na Canada ma tomo beta osa kana di de mankoro abodu abami avec Kenya mais momi te jabo ala utara bena ala jarabi chumi na sisa ya flede anana kola ko eh ku de mangene eh mune bala ala utara ababechi a hakri bebo mune bala abena munjona le fo aita na e docteur sura abena wori sala dame la dépense mina dame la ile wede parce que ala utara ka fanya na olo de 2,5 millions de dépensés, millions de jaye wa loru abana ko dide mais abena soupele na abena wa ke me dépenser afala nyana ku de mangena o atala na clinique mbu ya ro krefe oye olu be fla ke koro awa foko ah mais c'est la même ayata ka boya ayata na e fengala d'autre so bon me ko di voir ko mi mi ka berena be américain on tamme awa foko ta di oluma a madame la oye abeta die abeto la tre fla tre saba fla moye kulana ko di wa idha maritu fa huwa yashfini ala utala ni be mo fla ke o donc utuma la sa abeta to to sonna aka wa bi oro sarai abe braka to tro ese andeta bla franzi wa ah o bena ta bi esa ka fe sa depansi sa donc ala utala ka braka boale ya nafrola aka dépense que o pana kele net me den don na de mais mon meja di ala ka baraka do ala atala ni va kini sa a den kene ala donc o sera mo a israela ye a ye fanda o ka hachedi a ya di akana do akungu ya ula ni ko ka ita na froso ya ni oye ita fanda ka na froso ya i donc ka di mi ma fana o le fondation zakat o le Ole be fanda ou yoronini. Anga misoro. Anga atran fanda ou la. Anga dodi mousso doma. Ale ache sala kere wati la. Den loru le baburo. Abe charbon de fere. Me amakoya be 75,000 watan loru dron. Pouke a ese kaya karaja ou dam la. Ka de ou baro. Anga watan loru di mousso nima. Sumuru den do be oluko oluba foka barake tutuya ni ko nu manduye oba foka taere yake me obe femi ni na dron 400,000
Nous, quoi, soro, au bout, nous y a magasin, qu'atelier, qu'abaraque. On a 400 000 du Oluma. Bi, ni cela, on nous fait, à Oluba, à l'attendre. On a aucun mouna, on a donné le même lancement, on fait. Donc, il dit, déjà, il y a des fondations pour que aille fandaya les kere ka bo slama ou ka bona aille fandaya kere ka bo Côte d'Ivoire kono slama betuta fondation no betuta lo slama femo fe ave belle demain ni una na jaduma mais comme la bamima ka fo jabe wariti benema il y a wari soro la foro la ou et ka ka jabala. Il y a un afro sur la chiafanao et diabola. Il y a un afro sur la fonctionnaire lio diabola. Il y a un afro sur la entreprise lao diabola. Kadame la fana sur la mao. A fitini, fonctionnaire fitini. Il est privé le lao. Il est gouvernement le lao. Sur la ma, kadame la. Anyamo baire bema. Angaba belema. Kadame la. Tote to fotala. Be ministerio afengao mio mbe baraka la yoro yoro amba ni naslama befe hacha ni mbi mali ni masara alikiamalu na sininde kramo cheka hadisa mfoni ama befo aka seni ubini passe nai ko saati alia saau ni alikiamalu se la be sa ni belabo kwa chefle tu bebe na feke ni minala quoi ah il est le tunga nga jabola il est le tunga nga jabola ou bien son ala etagiti ou fana il est à etagi bebe ni koro kanilo ah wari tumi boro il est bibaka jabo donc oslama ou ame mi fola nyana oliwe ala nga batoum la ala enfant jidi ala limania ou do ampochi ou kono ala limania do ampochi ou kono.